Ce son devient familier. Gargaren 6 s'est déjà attaqué à la porte. Et si la porte s'ouvre? Alors nous participerons à Ragnarok. Kronos n'est pas un ennemi que l'on combat avec de simples armes. Nous devons impérativement arrêter Gargaren 6 avant qu'il ouvre les portes et s'échappe. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 28 avec Arkantos et la chute du Trident. Donc la dernière fois on avait réussi à sécuriser la porte qui menait au puits. Et bah voilà, hop, j'ai tout de suite envoyé des nains tout simplement pour faire en sorte que on ait des ressources, enfin que l'on ait de l'or en enfer, tiens. Et alors apparemment le passage il est là. Je vais quand même explorer un petit peu. Je vais dire tout de suite à Mussark de bâtir une armurerie des nains. Cette fois on retourne avec Thor. Je vais voir un peu ce qu'il y a par curiosité. Oh, il y a 4 géants de feu. Eh bah oui, bien sûr. Alors notre but c'est simple, c'est de détruire tous ces géants de feu là-bas. Mais bon, vous vous doutez que ça paraît pas trop simple comme ça. Voilà, on va se faire les quelques géants de feu. Bon, ils font mal, hein. En même temps, notre décharge, nos héros n'ont pas d'amélioration. Là, je commence tout de suite à accumuler beaucoup de nourriture. J'ai tout de suite envoyé 2 nains aux enfers. Tout simplement pour suppléer leurs copains. Un mana qui va crever. Puisque... Voilà, mais franchement, là, les géants de feu font vraiment très mal, quoi. Parfait. Un mana ressuscite. Par contre là c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bois. Donc j'ai pas de bois en création, donc je vais former 6 citoyens. Bon là on est bien. On est déjà avec Scaldi, là ça c'est cool, ça nous fera gagner un peu de temps. Ouais ouais merde, on est à l'âge héroïque en fait. Je croyais qu'on était à notre âge mais non. Donc là on va essayer d'améliorer de vite nos héros pour essayer qu'ils soient le plus résistants possible. Donc armes, hop. En plus on a des améliorations moins chères donc autant en profiter. Vous deux, vous venez là. Bon on est plutôt pas mal. Là on est plutôt bien. Non. Oh putain je l'ai. J'ai envoyé mes amasseurs en enfer alors qu'il fallait pas. Je vais tout de suite corriger ça. Par contre il va nous falloir du bois. Bah, j'en ai repéré. Par là. Et je vais mettre mon chariot ici, même si c'est. Pour en attendant, comme ça c'est fait. Les armes en cuivre c'est bon. Donc on fera un peu plus mal. Contre notre armure elle est pas top. Hein. Regardez là ça peut tellement être facile, vous pouvez rusher mais regardez ça. Des trolls, il y a des lanceurs de hache derrière. Donc on va déjà attirer petit à petit l'armée, on va essayer d'être astucieux. Regardez, 2 trolls déjà, ça peut vite se tomber. Parfait. Parfait, reculez, il y a trop de monde là. Et ils vont nous suivre maintenant, ça c'est con. Je vais essayer de faire ça. Si on peut se faire les grands yarls, tant mieux. Tiens, je vais les geler. Ça peut calmer une partie de l'armée. On va essayer de se concentrer sur les yarls. Je vais essayer de ramener aussi quelques renforts. Ok, la porte est détruite à 10%, ça c'est pas bon. Lui, il va y passer. Et voilà, déjà un grand yarl de moins. Ils ont une cavalerie, un autre yarl ici. On a déjà fait toutes nos améliorations économiques. C'est quoi ça? Ah, il y a aussi Gargaren 6 bleu, d'accord. Je vais envoyer des renforts de... Hop. Toi, Kiron, occupe-toi de ce troll, là. Bon, ce qui est bien, nos héros font le job, maintenant. Ouais, désolé s'il y a le téléphone qui sonne en arrière. Hop.
Hop, donc là c'est bon. Là je pourrais pas faire ça, c'est ok. On a une nouvelle relique, là c'est quoi? Ouais, de la nourriture gratuite, c'est pas mal, mais bon. Y a plus de nourriture, sérieux? Donc là on pourrait pousser, mais je pense qu'il y a une autre force. Hein. C'est obligatoire. Ouais, bon, il y a des trolls, ça va. C'est que des trolls, ça pourrait être pire. Putain, je croyais que c'était une... Allez, venez, venez, on va les attirer. Plus on les attirera, mieux ce sera, donc ça fait qu'il restera... Ouais, 6 géants de feu, ça va être compliqué. Concentrez-vous sur le même troll, ça va vite. Ouais, bah reculez, hein. Oh là là, là, il y a du monde, il y a du peuple. Bon, au moins on les a attirés, c'est le plus important. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en unité mythique? On pourrait faire des géants du givre, tu vois. Mais je vais avoir besoin de Valkyrie, je pense. Donc on a quelques hussards qui sont arrivés en renfort. Ah, nos nains n'ont plus d'or ici. On va essayer d'explorer un peu avec nos hussards si on peut trouver autre chose. Il y a de l'or ici, allez-y. J'espère qu'on en trouvera encore. Alors, les Valkyries. Ok, c'est fait. On va tout de suite améliorer encore notre équipement, on en a besoin. Ah, vous chassez pas encore, ok. Donc là, on va avoir encore une amélioration. Il y a de l'or ici. J'espère qu'il n'y a pas d'armée qui garde ou je sais pas quoi. Bon, au moins on explorait, c'est fait ici. Il y a un autre Gargarin 6, sérieux? Il y a quoi là si on fait le tour? Ah, encore des troupes. J'essaie d'en attirer un. Ouais, c'est bien, ils viennent. Ouais, venez, venez, c'est bien. On a des armes encore plus puissantes. Toi, tu viens m'emmerder, bah viens. Parfait, occupe-toi de ce liard, toi. Parfait. Allez, on se les massacre. Allez. Toi, tu recules. C'est bien, on les disperse un peu. C'est un peu le but de la manœuvre. Bon, ils reviennent en masse, mais bon. Regardez, les lanceurs d'âge vont vite y passer. Hein. Hop. Toi qui me tires là-dessus. Merci. Et voilà, donc là, ça devrait aller un peu mieux. Je pense que je vais quand même ramener quelques renforts. Alors là, on n'a plus de chasse, ça c'est embêtant. Mais on a assez de bois. Donc là... alors je vais faire F. 4 et 3, 7 et 1, 8. Hop, ça pourrait nous aider un petit peu. Il nous reste un citoyen qui fait rien, enfin un amasseur. Bon, là on est plutôt pas mal. Par contre, on va tout de suite booster ça. Parfait. Allez, venez. On recule. Normalement là, géant va vite s'en occuper, ça doit être une formalité. Je vais peut-être commencer à former quelques hercires pour venir appuyer. Surtout notamment contre les géants vont en avoir besoin. Allez, focusser les trolls, on va être tranquille. Recule. Donc si on peut attirer un ou deux géants, donc ça veut dire qu'il reste encore 4 à éliminer. Recule. On va se faciliter un peu les choses. Hein. Quand on a, on peut plus faire, on a plus assez de place. Ok. Les hussards, vous allez reculer.
Et vous allez bâtir des maisons. Bon. Ah bon, pour même pour bien. Eh ben, en attendant, bâtissez quelques maisons. Ça ira mieux. Je pense que 6 à 8 RC en renfort, ça devrait suffire pour prendre la porte. Puis bon, là, vous voyez, nos héros sont bien... Oh! Par contre, là, on va pas trop traîner, reculer. Il y a une attaque. Donc, apparemment, il y aurait une autre troupe de Gargaren 6 qui est dans le coin. Vous reculez encore. Là, le gros de l'armée, il est en train de se faire massacrer. Alors, on va les laisser faire. 5, il nous en reste encore un formé, ça devrait être suffisant. Ah, les premiers géants tombent, c'est cool. Concentrez-vous sur le même. Je ramène mes Hercir en renfort. Voilà, la base elle tient, c'est cool. Allez. Ajax il tient bon. Il reste plus qu'un géant à descendre, c'est cool. On a réussi à battre le gros de l'armée. Donc là je vais dire à Chiron et à l'autre de s'occuper de lui. Là Ajax il attire beaucoup de feux ennemis. L'Algérie est quasiment mort. Allez. Parfait. Ça y est, c'est gagné. Phew. Ça a été compliqué, mais bon, on a réussi à le tenir. Et là, apparemment, le scénario fait que bah, y a beaucoup de créatures des enfers qui arrivent. On s'y mettra en position. Alors, toute la pseudo-armée qu'on avait, bah, elle se replie. Beaucoup de géants de feu encore. Il faut y aller. On ne peut plus rien pour lui. Donc voilà, la mission se termine sur une triste nouvelle. Bah, Chiron s'est sacrifié pour gagner un peu de temps pour notre armée qui s'enfuit. Et les gens de feu l'ont tué. Donc voilà. C'est la fin de cette mission 28. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.